On nous reproche aujourd'hui de laisser des gens qui ont acheté un café dans le cadre de la vente à emporter stationner autour de l'établissement sans respect des gestes barrières. Sommes-nous responsables de ces gens? Sont-ils toujours nos clients une fois qu'ils ont payé et se sont éloignés? Et jusqu'à quelle distance en serions-nous responsables? À une époque où l'on décharge de plus en plus le pouvoir et les élus de leurs responsabilités, on vient aggraver celle des restaurateurs en imaginant, comme le font les services de la préfecture, que nous sommes responsables de tout ce qui se produit devant nos établissements. Mais je tiens à rappeler que si nous disposons d'autorisation d'occupation du domaine public, nous sommes contraints de laisser des axes de libre circulation. Et c'est bien sur ces axes que se retrouvent clients et patients. Ces axes qui sont le domaine public et sur lequel il ne nous appartient pas en tant que simples citoyens de faire la circulation ou d'imposer des mesures barrières, parce que ça, c'est le rôle de la police. Après nous avoir stigmatisés comme les principaux propagateurs de l'épidémie, vous voudriez maintenant nous transformer en brigade de répression. Le costume est bien trop lourd. Et cette fermeture est la fermeture de trop. Au-delà de la question juridique de ces fermetures administratives qu'il faudra trancher, il y a bien sûr l'aspect économique. Une fermeture, c'est aussi un impact de plus pour des familles, des salariés et l'ensemble de nos fournisseurs qui sont présents aujourd'hui, nous soutiennent et qui, contrairement à nous les restaurateurs, ne bénéficient d'aucune aide. C'est cette dimension qui doit aujourd'hui être prise en considération par nos autorités administratives. Alors essayons d'avancer ensemble.